Vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 à Bénin. Bonjour à tous et bon réveil. Merci de vous réveiller avec nous hein, sur Actu Matin. C'est votre matinale. Bonjour à vous, Wahab Ali Kamara. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là. Dans un instant, on va vous retrouver pour la lecture des gros titres de la presse nationale, un peu comme tous les matins dans cette émission. Et au sommaire, dans l'actualité, la tournée qu'on pourrait qualifier de tournée de reddition de compte du chef de l'État. Depuis jeudi, Patrice Talon fait le tour du pays, parcourant les communes au contact des populations et des réalités qu'elles vivent. Partout où il passe, il tient un discours après avoir écouté les doléances exprimées par les différentes couches. Retour ce matin sur le périple présidentiel et le contenu du message au forum de discussion de cette tournée. On en parle avec l'invité du jour. Nous irons voir sa portée sur le plan sociologique. Docteur Patrick Reynou est sociologue, politiste et expert en gouvernance démocratique. Il sera en plateau autour de 8h10. Une bibliothèque de l'histoire s'est éteinte. L'icône Félix Abiola Iroko, un historien béninois, professeur d'histoire à l'université d'Abomey Calavi, est parti à l'âge de 114 ans et ce, dans un accident de circulation. Sa famille le pleure, le monde universitaire le pleure, des témoignages sur le parcours du disparu en plateau ce matin. À suivre par la suite, le 7 jours au Bénin, le condensé de l'actualité tel que traité par la rédaction de Canal 3 au cours de sept derniers jours avec Idrissou Boukari et la revue de presse de Narcisse Alossé, Narcisse qui justement lit pour nous déjà la presse nationale. Le point en fin d'édition. Merci de votre fidélité. Installez-vous. Alerte. Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Dans la presse nationale, on parle également finance, on parle banque et vous allez le découvrir à travers la lecture des une des journaux à commencer par le quotidien Maison Fraternité Wahab Ali Para. Oui, Christian Dandéjan, et bonjour, rebonjour à tous. Hein. Il y a dans l'actualité, comme vous l'avez dit, banque et finance, mais il y a également cette tournée du chef de l'État, sans oublier l'éliminatoire Cannes 2022. On va donc commencer par Fraternité, comme d'habitude d'ailleurs. Didier Aïbatin, le banquier des entreprises et directeur général de la BIIC, créer une véritable banque digitale. Le journal qui dresse le portrait de l'homme et son expérience dans les colonnes de Fraternité. Éliminatoire Cannes 2022, première manche réussie pour le Bénin, match décisif pour la qualification ce mardi au Lesotho. Secteur de la santé, SOS de deux syndicats du CHU, du CNH HKM à l'endroit du chef de l'État. Information à retrouver à la page 8 du quotidien Fraternité. Rentrée sportive à Quabel soutient les clubs de sport de la plage de Fidrosset. Compétition village solaire finisse d'hôte Sochanhui d'une barque motorisée flambant neuve. Et puis assemblée générale ordinaire, le Saint-Trabe BABN renouvelle son équipe dirigeante. À la une maintenant de la nation, tournée du chef de
l'État dans les communes. Un exercice de reddition de comptes apprécié. Puis projet de loi de finances 2021, des prévisions axées sur les investissements et le social. Information donc à retrouver à la page 11 du quotidien La Nation. Le potentiel à présent pour non-paiement des frais d'inscription, plusieurs nouveaux agrégés béninois privés de diplôme au CAMES. Tournée du chef de l'État dans le septentrion, Patrice Talon promet une présidentielle ouverte et inclusive en 2021. Quotidien Libération, tournée du chef de l'État dans les communes, Patrice Talon scelle de nouveaux pactes avec la Liborie et le Borgou. Le matinal, cette fois-ci, campagne cotonnière, campagne de commercialisation du coton, l'AIC vise désormais 675 000 tonnes. Requête du chef de l'État au sage de Parakou, Patrice Talon et Yayi, la réconciliation à quel prix s'interroge le matinal. L'autre quotidien à présent, Talon aux populations du septentrion. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble. Des mots forts pour des sentiments forts. Le radar, après sa nomination au dernier conseil des ministres, à Niglé Rouenagnon, Jean-Marie prend langue avec les élus d'Abomey-Calavi. Acte de sédition du PIPO, nous apprend PIPO. Patrice Talon ira partout au Bénin sans écueil. Les quatre vérités, efforts du chef de l'État pour la transformation de Porto Novo, la capitale, le meilleur reste à venir avec Patrice Talon, selon le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou. Et puis reconnaissance de mérite, la directrice de l'administration du parti Union Progressiste reçoit le trophée de Success Story Award 2020. L'autre vision, recherche de consensus autour d'un candidat. Le déchirement est-il encore aux portes du parti Foscori pour un Bénin émergent? S'interroge l'autre vision. Et puis session criminelle à la Criette, Dako Philippe acquitté. À Gonglo Bokovo Léon condamné, 7 ans de réclusion criminelle requis. Quotidien Diakpata, tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon redonne confiance au peuple béninois. Examen du budget général de l'État, gestion 2021, les prévisions budgétaires au PIP, MPD, MAEP, MTPF, MCIE, MCVD pour 2021. Le meilleur, tournée du chef de l'État dans le septentrion, Kalalé appelle Patrice Talon à briguer un second mandat. Bani Kouara donne carte verte. Patrice Talon promet une élection présidentielle inclusive. Et puis Charlemagne Nyankoti à l'endroit de Patrice Talon au nom des populations. Charlemagne Nyankoti, maire de Porto Novo. Porto Novo est pleine de gratitude envers vous, monsieur le président. La presse du jour, tournée du chef de l'État dans les communes du Bénin, Bani Kouara, Niki, Bembereke, Kalalé, satisfait des réalisations du chef de l'État. Et puis renforcement de l'interconnexion 330 kVA, les ministres de l'énergie du Bénin, du Togo et du Nigeria valident le projet. Le Soleil Bénin Info, Centre National Universitaire Hubert Koutoukou Maga, salle temps pour les dialysés. Informations à retrouver dans les colonnes de Le Soleil Bénin Info. Bénin intelligent pour finir, Christian Dandéjan, Patrice Talon depuis Niki. Nos élections seront de nouveau des moments de fête. Ce sont les propos du chef de l'État, Patrice Talon, rapportés ce matin par Bénin intelligent. Et puis, salon des banques et PME de l'UOMOA, Rekia Madougou, sacrée personnalité
actualité de l'année 2020. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient donc sur ce portrait dressé de Didier Aïbatin. C'est un banquier des entreprises et directeur général de la BIIC. Voilà, Didier Aïbatin, le banquier des entreprises et directeur général de la BIIC qui s'est prononcé à l'intérieur du quotidien Fraternité en sa page 3. Il faudra créer une véritable banque digitale, c'est ce qu'il prône ce matin. Et puis le quotidien de Manantin, le quotidien Fraternité qui est revenu également sur les éliminatoires de la CAN 2022. La première manche réussie pour notre pays, le Bénin, avec ce match décisif pour la qualification, un match qui va se jouer demain, mardi, du côté de Lesotho, précisément à Maseru, la capitale. Alors, le quotidien service public La Nation ce matin qui nous fait un point complet de la tournée du chef de l'État, Patrice Talon, qui était dans plusieurs communes. Il était donc à Malanville, à Manikwara, à Kandi, il était à Kalalé, à Niki également, sans oublier la commune de Bemberekès ce matin. Il sera dans le département de Latakoura, Natitengu, Djougou et bien d'autres communes qui vont l'accueillir. C'est un exercice de reddition des comptes très apprécié des populations. En tout cas, ce matin, on reviendra sur les différents discours tenus par le chef de l'État à chacune de ces étapes. Bonjour à vous, Ingrid. Oui, bonjour, Christian. Bienvenue. Les titres du mini-journal. Bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, les actions du chef de l'État célébrées à Porte-Nouveau. Les forces vives de la ville remercient le président Patrice Talon pour les nombreux chantiers de transformation en cours dans la ville. C'était samedi dernier à la faveur d'une sortie médiatique. À suivre également, l'opération de prise en charge des malades mentaux errant dans les villes de Boïkon et d'Abomey. Lancée par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le programme est financé par le Fonds d'appui à la solidarité nationale. Voilà, le développement de ces titres, c'est dans un instant avec vous, Ingrid Lapouze. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. L'actualité ce matin sur Actu Matin, le chef de l'État Patrice Talon est célébré à Porte-Nouveau, réuni samedi dernier. Les forces vives de la ville lui ont dit en cœur un grand merci pour les nombreux chantiers en cours dans la ville et qui font désormais de Porte-Nouveau une ville attrayante. Le point de cette reconnaissance populaire avec notre équipe de Porte-Nouveau, conduite par Emma Rodonou, il est avec Thibaut Arolou. Fils et filles de Porte-Nouveau, ils se sont réunis sous la houlette du maire Charlemagne Yankoti pour dire merci à l'homme qui lui a essuyé les larmes. Patrice Talon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est célébré pour avoir, en l'espace de 2 ans, métamorphosé le visage de la ville de Porte-Nouveau à travers un important aménagement routier assorti de lampadaires solaires, la construction des principaux marchés et bien d'autres chantiers pour lesquels les Porte-Nouveaux sont émerveillés. En tenant compte des réalisations faites, des réalisations en cours d'exécution et de celles à venir dans la ville de Porte-Nouveau, son Excellence Patrice Talon est incontestablement et de loin
le plus grand bâtisseur de la ville de l'ère post-indépendance. Avant d'être bâtisseur, le président Patrice Talon, comme le témoigne la qualité et la beauté des projets réalisés et ceux en cours de réalisation, est un fin architecte. Porto Novo, 60 ans après l'indépendance de notre pays, a trouvé enfin son architecte bâtisseur. Président Patrice Guillaume Athanase Talon, merci, 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 merci et merci. Porto Novo dit avoir enfin trouvé son architecte bâtisseur et compte bien travailler pour son maintien en poste au-delà de 2021 afin qu'il achève l'œuvre entamée. Venez et voyez. Voyez les routes. Voyez l'électricité dans la ville pendant la nuit. Voyez tout ce qui est programmé. Et moi, j'espère encore le début de la construction du siège de l'Assemblée nationale, siège de la démocratie. Le temple de notre démocratie sera construit à partir du premier trimestre de l'an 2021 et aura 30 mois pour finir. Vous pensez qu'il faut que celui-là commence et ne pas voir la fin dans 30 mois? Nous allons voir et nous allons inaugurer dans 30 mois par lui-même. Ensemble, n'est-ce pas? Pour toutes ces actions qui rendent aujourd'hui les Porto-Noviens fiers de leur ville, les têtes couronnées et les sages ont dit toutes leurs bénédictions à l'endroit du chef de l'État. Et voilà, nous étions donc à Porto Novo avec Emma Rolonou. Merci à toute l'équipe de ce côté. Le préfet de l'UEME était dans la commune de Semenpodi. C'était la semaine écoulée, Ingrid. Oui, Christian Joachim Apiti est allé s'enquérir de l'état de santé de cette commune. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la tournée statutaire qu'il a entamée depuis quelques jours. Le point de cette descente dans ce reportage de Emma Rolonou et Thibault Aholoupé. Le préfet du département de l'UEME, Joachim Apiti, dans les murs de la mairie de Semenpodi. Cette descente entre dans le cadre de sa tournée statutaire dans les 9 communes sous sa tutelle. Nous allons échanger avec vous sur la qualité de la gouvernance locale, à tous les niveaux d'ailleurs et dans tous les secteurs de la vie socio-économique, à travers la poursuite sans relâche de la mise en œuvre de la tranche départementale du programme d'action du gouvernement en harmonie avec votre plan de développement communal. À la suite du préfet qui a planté le décor, plusieurs personnes sont intervenues pour saluer les qualités managériales du maire Jonas Benhametor qui a su instaurer une bonne ambiance de travail et poser en 5 mois d'exercice les bases de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Non seulement nous arrivons à obtenir de l'harmonie et de la cohésion au sein de l'équipe, mais il faut souligner que le rythme du travail, l'intensité du travail est telle que si nous ne forçons pas, certains seront obligés de demander à aller en congé. Voilà que les textes ne sont pas prévus ou prescrits de congé pour les élus communaux. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes quelque part en train de faire quelque chose pour la commune. En tout cas, ça se passe très bien. Et avec la sincérité qu'on a derrière le maire, nous pensons que nous nous retrouvons dans ce conseil communal. Le maire Jonas Benhametor est pour sa part satisfait de ce rendez-vous avec l'autorité de tutelle. Ce qu'on peut retenir globalement,
c'est que le préfet a voulu d'abord s'enquérir du fonctionnement réel du conseil communal, s'enquérir de l'ambiance qui règne au sein du conseil communal, savoir si les chefs de service déconcentrés sont en harmonie avec les obligations qui sont les leurs. Chaque chef de service concentré a été interpellé directement sur un certain nombre de problèmes, de préoccupations des populations et est venu en même dans le temps éclairer l'opinion et donner des informations, toutes les informations jugées utiles pour la manifestation de la vérité. Donc c'est une séance très 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 fructueuse, une séance nécessaire pour que la population soit en symbiose avec ses gouvernants. La tournée du préfet Joachim Apiti se poursuit dans les autres communes de son département. 20 malades mentaux récupérés dans les villes de Boïkon et Taboumé, conduits au centre psychiatrique Saint-Camille de Boïkon. Il s'agit en effet d'une opération de prise en charge des malades mentaux lancée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Émette Hélène Aponso pour les détails. L'opération a connu l'implication de plusieurs acteurs, policiers républicains, sapeurs-pompiers, autorités communales et préfectorales, ainsi que cadres de la direction départementale des affaires sociales étaient au rendez-vous. À travers les villes de Boïkon et d'Aboumé, le groupe a sillonné plusieurs artères pour récupérer des malades mentaux. Vous savez, c'est des âmes abandonnées par leur famille, par la population en général, les oubliés des oubliés. Et le gouvernement nous a demandé de nous occuper spécialement des franges de la société, les franges les plus fragiles. C'est pour cela que nous avons enclenché depuis près d'une année une activité spéciale de prise en charge des malades mentaux errants dans les villes du pays. Vous savez, l'errance des malades mentaux dans les villes est une source d'insécurité pour les populations. Quand on parle de protection sociale, il faut voir les couches vulnérables, les couches marginalisées, les laissés pour compte, les sans-voix. Et ces personnes-là, l'État se propose d'être leur voix et de penser à elles pour qu'elles aussi puissent être traitées avec toute la dignité due à un humain. La randonnée a permis de saisir en quelques heures 20 personnes malades mentales, hommes et femmes. Ils ont été conduits au centre psychiatrique Saint-Camille de Boïkon. Dès leur arrivée, les nouveaux pensionnaires ont bénéficié de soins corporels, vestimentaires, de santé et ont aussi été nourris. Avec ces premières attentions, démarre une prise en charge qui va durer plusieurs mois, ce qui va leur permettre de recouvrer la santé et à terme obtenir une insertion sociale et professionnelle. Remercier Madame le ministre pour son engagement à mettre en œuvre ces réformes engagées par le chef de l'État. Depuis hier, nous étions à la préfecture en train de réfléchir sur comment faire pour pouvoir quand même sauver ces vies humaines. Donc on ne peut pas prendre tout le monde. Voilà pourquoi les 20 qu'on a pris, on veut s'assurer que ils vont bénéficier de meilleurs traitements, ils vont bénéficier de tout le confort, de tout le bien-être dont ils ont besoin pour pouvoir vite récupérer et être des personnes productives. Entamé depuis un moment, ce projet de prise en charge des malades mentaux couvre également les communes de Parakou, Cotonou et Djougou. Il est financé par le ministère des Affaires sociales à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale. Pour le moment, seulement une partie des malades mentaux sont pris en charge vu la cagnotte réservée à cet effet. Avant l'étape de récupération des malades dans les rues, les acteurs impliqués ont eu une séance de travail la veille à la préfecture d'Aboumé pour définir le cadre d'exécution de l'activité. Démarré le mercredi 11 novembre, l'atelier national des maraîchers éco-santé a pris fin vendredi dernier. Il a été organisé par le comité national des syndicats du Bénin affilié à l'ITA. Les travaux ont porté sur le thème « Les produits maraîchers sains au Bénin, mythe ou réalité ?» Je voudrais donc affirmer que les objectifs
et les résultats attendus de cet atelier ont été largement atteints. C'est donc sur une note de satisfaction générale que se referment les portes de cet atelier national des maraîchers éco-santé, axé sur le thème « Les produits maraîchers, sains au Bénin, mais tout réalité ». Ce rendez-vous du donner et du recevoir de l'OCOSA a permis aux membres du réseau africain des maraîchers éco-santé, RAMES, de renforcer leurs capacités en matière de culture bio. Nos terres sont souillées. Donc il y a des endroits où on ne peut plus faire le bio. Donc pour faire le bio aujourd'hui, il faut choisir des terres neutres. Là, on n'a jamais utilisé des pesticides et autres. Le réseau RAMES a son site à Rossoubeta, à Calavi. Un site sur lequel on n'a jamais fait utiliser des produits chimiques. Mais néanmoins, il y a encore un risque. Le risque, c'est que les produits chimiques utilisés sur le fil de coton dans le nord descendent ici vers le sud. Mais l'incidence est minime. Donc, c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, il y a réellement des produits bio au Bénin. L'atelier est organisé par le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'IUTA, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. Pour que les objectifs de cette rencontre soient atteints, les participants ont eu droit à des communications sur l'approche éco-santé et maraîchage, la production maraîchère conventionnelle, les alternatives aux intrants minéraux et chimiques, puis la structuration d'un circuit commercial de la production maraîchère au Bénin. Nous avons également abordé, à travers la communication qui en a parlé, les risques liés à la production conventionnelle. Ceci pour faire un clin d'œil à nos frères, amis, qui persistent dans la production maraîchère conventionnelle et qui, à ce jour, n'ont pas encore pris la mesure des actes qu'ils commettent en livrant aux consommateurs une production à risque. Nous avons vu également durant ces trois jours-là quelle est la place et l'importance de votre profession et la production maraîchère dans l'économie béninoise. Nous osons croire qu'une fois de retour chez vous, vous allez partager les enseignements reçus avec ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Ensuite, vous allez pouvoir, à travers le RAMES et le CINAMAB, organiser des séances de restitution au profit de ceux qui n'ont pas pu être à l'OCOSA avec vous. L'atelier a été financé par la Fondation Friedrich Herbert à travers le projet CEO. Chacun repart chez lui, le sourire aux lèvres, avec la ferme résolution d'œuvrer à une vulgarisation des enseignements reçus. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé vendredi au lancement de l'opération de recensement des ménages pauvres extrêmes et non extrêmes du Bénin. L'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet H, assurance pour le renforcement du capital humain. Ali Moumounié Moufid Sagbora. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain H, à l'étape d'une plus large couverture du territoire national. Après une phase pilote qui a pris en compte 21 communes, le gouvernement vient d'élargir le projet vers les 56 autres communes du Bénin. Une opération d'enquête, d'identification et d'enrôlement est ainsi ouverte pour le recensement des ménages pauvres, extrêmes et non extrêmes. Et la présente phase de l'enquête s'appuie sur les expériences de la phase pilote et les différentes leçons apprises. Les données issues de l'identification communautaire indiquent que vous aurez à visiter 339 101 ménages pauvres sur une période de 2 mois et demi dans les 56 communes pour recueillir des informations socio-économiques nécessaires pour confirmer ou non leur statut de pauvre en vue de bénéficier de l'assistance gratuite de l'État pour l'accès aux services du projet Arche.
Cette rencontre des acteurs avec le ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'inscrit également dans le cadre du lancement de la formation des enquêteurs. Ils sont au total 850 concernés par cette opération qui sera conduite par l'Institut national de la statistique et d'analyse économique INSAE et l'unité de gestion du projet ARCH. L'opération actuelle, c'est une opération qui permettra de confirmer un travail qui avait été déjà réalisé il y a un peu plus de 3 ans, qui a permis au niveau communautaire d'identifier les pauvres qui doivent bénéficier du programme ARCH. Puisque la première partie avait été une identification communautaire, c'est-à-dire c'est la communauté qui a dit les pauvres se retrouvent dans telle famille, dans telle zone. Le travail de l'INSAE permettra maintenant d'affiner les premiers résultats qui ont été trouvés pour identifier réellement les familles pauvres et pauvres extrêmes. L'enquête sur le terrain va démarrer la semaine prochaine. Nous avons quelques jours de formation pour les enquêteurs et de tests de leur maîtrise de l'outil de gestion de l'enquête. Au terme de ce processus, les enquêteurs seront déployés sur le terrain avec l'aide technique de l'INSAE qui assure l'organisation matérielle de l'enquête. L'aboutissement de cette opération d'enquête déterminera le résultat de la mise en œuvre du projet ARCH. Et ça, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance n'a pas hésité à le rappeler aux acteurs. Le sort de chaque ménage, de chaque pauvre, est dans vos mains. Et vous devez en être conscient. Aucun ménage pauvre, quel que soit son lieu de résidence, ne doit être laissé de côté pour quelque motif que ce soit. Chaque ménage non enquêté, c'est entre 5 et 7 personnes en moyenne que vous abandonnez dans la pauvreté pour plusieurs années. Je voudrais en appeler à votre sens patriotique. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH est un programme du gouvernement qui compte 4 services intégrés que sont l'assurance maladie, le crédit, la formation et l'assurance retraite. Dans son programme d'insertion des étudiants après leur formation, l'Université d'Abomey-Calavi et la Fondation Mastercard lancent un recrutement de 1000 étudiants. Il s'agit d'une bourse dénommée Team Lead pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site de l'Université d'Abomey-Calavi et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de la Fondation Mastercard, nous précise ici les organisateurs. Et il me tient à vous rappeler quelque chose que vous savez, les missions de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous avons 3 missions principales. En dehors de l'enseignement, nous avons la recherche et les services rendus à la communauté. Et quand nous parlons de services rendus à la communauté, vous savez naturellement qu'il y a le volet insertion professionnelle. Donc, avec cette 3e mission de l'Université d'Abomey-Calavi, elle ne cesse de mettre en place des stratégies et des mécanismes pour faciliter l'insertion professionnelle de ces produits. Et donc, dans notre partenariat avec d'autres structures, nous avons la Fondation Mastercard qui œuvre beaucoup pour l'insertion professionnelle des boursiers de cette fondation, mais pour l'insertion professionnelle de tous les étudiants et diplômés de l'Université d'Abomey-Calavi. Et c'est dans cette optique que la Fondation a pu dénicher pour nous une opportunité et à l'échelle internationale. Il s'agit de la bourse Jim Lynch pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. Et donc, dans cette perspective, la Fondation Mastercard développe depuis l'année dernière un financement que nous appelons le Student Entrepreneurship Fund, qui est un financement dédié à l'entrepreneuriat étudiant. C'est-à-dire que vous pouvez être étudiant et démarrer en même temps votre projet entrepreneurial. Et nous vous accompagnons dans différents volets de formation, de coaching et de mentorat pour vous permettre de réussir ce processus. Les succès obtenus au niveau de ce volet de notre programme de financement CEF
a conduit la Mastercard Foundation au niveau international à introduire et lancer ce nouveau programme, cette nouvelle opportunité que nous appelons Jim Leach Entrepreneurship Fund. Et donc, dans ce nouveau, dans cette nouvelle opportunité, nous allons faire un recrutement massif d'étudiants. Nous allons recruter jusqu'à 1000 étudiants que nous allons accompagner. Alors, ce processus a déjà démarré depuis le début de ce mois, le processus de recrutement, et va durer 30 jours. Donc, au 30 novembre, nous allons arrêter les recrutements, les inscriptions. Alors, nous insistons pour qu'il y ait une inscription massive au niveau des étudiants de l'UAC, des étudiants du Bénin, beaucoup plus parce que dans le réseau mondial de la Mastercard Foundation, l'université d'Abomey-Calavi apparaît comme la seule université francophone à côté d'autres pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, etc. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Active Matin. Merci à vous, Ingrid. Très bonne journée du lundi et excellente semaine de travail. On retrouvera la rédaction de Canal 3 tout à l'heure quand il sonnera 13h dans la grande édition de la mi-journée avec Zakiat Latounji à la présentation. Sur Actu Matin, dans un instant, le forum de discussion en plateau, André Dossa, Akimé Ousseni, Wahab Ali Kbara et Herman Parfait Niambosou pour nos discussions de ce matin. Et juste après, nous recevrons Dr Patrick Hainou, il est sociologue, politiste et expert en gouvernance démocratique. On reviendra sur une analyse sociologique de la tournée du chef de l'État à travers plusieurs communes. Restez avec nous. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de Voiture vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voiture, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Moi, me donne des compteurs, s'il vous plaît. Je sors si tu m'as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre
eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pas rendez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et voilà, bonjour à chacun de vous, André, Wahab, Akimé, Herman Parfait, Amiangosu, bienvenue. Merci, bonjour Christophe. Voilà, beaucoup de sujets à aborder, au total, quatre sujets. On parlera donc de la tournée du chef de l'État, Patrice Talon, qui à chaque étape de sa tournée tient un discours face aux populations. On reviendra également sur les rues qui sont désormais asphaltées avec ces comportements à risque que nous observons depuis un bon moment de la part des usagers de ces voies-là. Et puis, deuil dans le monde universitaire, le professeur Félix Iroko, c'est un baobab qui est tombé. Est-ce une partie de notre histoire qui s'est éteinte? On va en parler également en plateau. Et puis, on dira également un mot en sport sur les éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun avec cette victoire des écureuils. C'était samedi dernier par un score de 1-0 sur les crocodiles du Lesotho en attendant donc le match de demain. Alors, doit-on y voir un intérêt manifeste des populations pour ce déplacement du chef de l'État vers elle, et ce depuis quelques jours, Akimé Ousseni? Bon, je crois que je peux répondre par l'affirmative, parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, quand vous annonciez le déplacement à l'intérieur du chef de l'État, je vous disais qu'il ne manquera pas l'occasion de se réconcilier avec son peuple, que c'était une occasion pour lui, je dirais, de faire un test de popularité. Je l'avais dit ici sur le plateau. Constatez avec moi, et là j'embouche un peu la trompette de Wahab qui disait que pour curiosité, certains voudront sortir pour voir qui c'est que Patrice Talon, est-ce qu'il a été lancé, est-ce qu'il est court, à quoi il ressemble, est-ce que c'est l'image qu'on projette à la télévision qui est vraiment l'incarnation du président Patrice Talon. C'est donc vrai que quand vous suivez un peu le compte rendu qui est fait de la tournée du chef de l'État, vous remarquerez que il y a eu, les populations sont sorties et pour communier avec le chef de l'État. Et je crois que le choix de la localité n'a pas été fait, je dirais, sans réflexion aucune. Vous constaterez que l'attention du chef de l'État a commencé par Savé. Après Savé, il est allé à Tchaourou et le Tchaourou est allé à Parakou. C'est une évidence aujourd'hui dans le commun, dans la conscience du commun des Béninois, que ces trois villes se sont illustrées, en termes de comportement qui faisait état de ce qui n'était pas en phase. Avec, la gouvernance Patrice Talon. À Savé et à Tchaourou, il y a eu des violences par rapport à un certain nombre de choses. Des personnes ont été arrêtées, il y en a même qui courpaient jusqu'à présent au niveau de certaines de nos prisons. Et donc Patrice Talon est allé à Savé, il est allé à Tchaourou. Vous constaterez certainement qu'on reviendra sur ça, que les discours qui ont été tenus à Savé et à Tchaourou sont de nature, à présenter d'une manière ou d'une autre, soit des excuses, soit à demander pardon, soit à rassurer que Tchaourou et Savé ne sont pas des communes qui ne sont pas dans la dynamique du chef de l'État. À Parakou, je l'avais dit ici sur le plateau, au terme des élections municipales et communales dernières, Parakou a donné le ton de ce qu'est la gouvernance. Il aurait voulu que ce soit une autre force politique. Mais par la force des choses, il y a, comme je vous l'ai fait constater la semaine dernière, des voix qui ont été, des sièges qui ont été annulés. Désormais, la commune est contrôlée par la mouvance présidentielle. Donc le discours aussi à Parakou
est différent. Comme ça a été le cas aussi à Kalalé, comme c'est le cas partout. Il est passé, donc, on va revenir sur quand vous voyez les images, il y a eu, c'est vrai, de la mobilisation. Les gens sont sortis pour entendre le discours du chef de l'État. Je crois qu'on reviendra forcément sur ce discours. Alors, sur la forme, André Doussa, Hakimi a commencé par l'aborder tout à l'heure. Commencer sa tournée par Savè, atterrir à Tchaourou, puis Parakou. Est-ce un signe que Patrice Talon est en train de donner à travers ces premières étapes-là? Je crois que peut-être que moi je ne veux pas faire une fixation sur Savè, Tchaourou ou dans une certaine mesure, moins de mesure par coup. Effectivement, le chef d'État a commencé sa tournée par cette localité, notamment Savè et Tchaourou, qui ont été au théâtre d'un certain nombre de manifestations. Et on a vu quelques velléités également de sédition à quelques donc, encablés du début de cette tournée du chef de l'État. Mais il y est allé. Je pense que oui, c'est effectivement, il y a des citoyens béninois, habitants de ces localités-là, qui sont fâchés, qui ne partagent point la vision de Patrice Talon, sa méthode, sa gouvernance. Mais ça ne fait pas de l'ensemble de la population de ces localités-là, des béninois à part, des citoyens, mettons, en marge de la société. Pas du tout. Il y a beaucoup de béninois là-bas, effectivement, qui ne reprochent rien au chef de l'État. Mais voilà, il a commencé sa tournée par là. Il l'a placé sous le signe de la réconciliation. C'est là où, ce qui me paraît, d'un point de vue important à souligner, Patrice Talon, qui allait même jusqu'à un niveau de Parakou, demander à des sages et n'est-ce pas, aux populations, devrait de travailler à ce qu'ils puissent donc se réconcilier avec son ennemi, en l'occurrence le président Boni Yayi, parce que c'est étant partisan de Boni Yayi que ses citoyens qui ne partagent pas, n'est-ce pas, la gouvernance de Patrice Talon aujourd'hui, donc expriment ce mécontentement que nous observons et qui a nécessité de sa part, qu'ils puissent donc entreprendre, en tout cas envisager une réconciliation avec son ennemi, ce qui aura forcément pour conséquence, n'est-ce pas, l'apaisement de ces que là qui aujourd'hui sont un peu meurtris, en tout cas portent de la rancœur contre la personne donc de Patrice Talon. Cela dit, nous avons un chef d'État qui, de mon point de vue, est juste en train de reprendre un exercice qu'il a eu à faire pour avoir le pouvoir. Parce que pour gagner le pouvoir, Patrice Talon, en fait, n'a pas dû compter sur les forces politiques qui, d'ailleurs, qu'elles vous souviennent, l'ont tous abandonné. Il est donc allé directement au contact de la population, négocier son contrat avec la population, et c'est la même chose que nous voyons en ce moment. Il écume les communes dans le même, plus ou moins, le même registre qu'en 2016, où il s'adresse directement à la population. C'est vrai qu'on limite maintenant le nombre à cause donc de Covid, etc. Mais c'est pratiquement la même chose. Il parle, il rencontre. Voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, lorsque à Kalalé, qui demeure, ma foi, la seule commune aujourd'hui du Bénin, qui n'est pas accessible par une voie bitumée. Vous voyez, quand vous voyez les images, vous voyez le véhicule du chef de l'État, est carrément, ça a changé de couleur parce qu'il s'est rendu à Kalalé, une commune du Bénin qui n'a pas encore suffisamment bénéficié de la solidarité nationale. Il est quand même allé face à cette population-là. Il a pu s'expliquer, leur dire les raisons pour lesquelles, pour le moment, leur localité n'a pas bénéficié d'une attention particulière déjà, oui, pas, et pris des engagements. Il y a d'autres endroits où des annonces ont été faites. C'est un exercice de reddition de compte que Patrice Talon est en train de faire. Maintenant, on peut l'interpréter, on peut le voir, on peut le lire cela à travers d'autres prismes qui peuvent nous amener à constater que c'est peut-être une campagne anticipée, c'est peut-être aussi une manière de voir si est-ce que le peuple est d'accord avec un projet d'un éventuel candidat d'une éventuelle candidature à sa succession. Je crois, oui, qu'on est on a alors, de faire. Alors, revenons maintenant sur le discours, hein, les discours tenus par le chef de l'État. C'est vrai que nous avons quelques images, hein, de cette tournée à l'écran. La profondeur du discours Wahab Ali Kbara, les propos tenus par Patrice Talon d'une localité à une autre, est-ce que vous le sentez apporter des réponses à un certain nombre de problèmes qui existaient dans ces communes-là? Oui, on peut le dire ainsi. Il y a bien des destinations où le chef de l'État, lorsqu'il tient des discours, on constate que, un, il reconnaît un certain nombre d'erreurs venant de sa part ou venant de sa gouvernance, une clarification au mal compréhension ou au mécontentement, n'est-ce pas, des populations face à son style de gouvernance. Donc, il faut voir dans dans cette sortie du chef de l'État et surtout à travers des discours, n'est-ce pas, la reconnaissance d'un certain nombre de choses que le chef de l'État assume indirectement. L'humilité du chef de l'État, quelqu'un qu'on sait que, bon, il est quelque peu dur et rigoureux sur un certain nombre de choses, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, vient demander pardon. On n'est pas dans le cas où c'est un Boni Yayi qui n'est pas au pouvoir qui vient demander pardon. C'est le chef de l'État en exercice qui vient demander pardon à son aîné. Donc, il n'y a que un, il reconnaît qu'à un moment donné, il y a eu fissure dans leur relation et cela a eu des faits. Pourquoi? Parce que à des moments donnés, les supporters de Boni Yayi, n'est-ce pas, ont manifesté leur amour à Boni Yayi et cela s'est joué dans certaines localités. On a senti donc le mécontentement par système partisan à Boni Yayi. On a senti ces peuples-là se manifester contre le style de gouvernance de Patrice Talon aujourd'hui. Je veux parler de Sabalou, je veux parler de Savelle. Je veux parler dans une certaine mesure de Tchaourou et parler également de Parakou qui jusqu'à présent reste majoritaire, n'est-ce pas, dans les urnes. Même si tout à l'heure, Akibé faisait se constater qu'à Parakou, on a changé de tête en raison de l'invalidation d'un certain nombre de choses. Il n'y a que la mairie est à part, il y a le peuple ou la population qui sont à part, qui ont manifesté, disons, leur mécontentement ou en tout cas leur position à ce niveau. Je voudrais faire constater que cette façon de chercher la réconciliation, cette façon à certaines régions de leur faire comprendre pourquoi il y a des infrastructures qui ne sont pas encore arrivées à leur niveau. Parce qu'il y a de ces populations qui voudraient comprendre pourquoi l'asphaltage est ailleurs et pas chez eux. Quand on prend Kalalé qui est traversé partout sauf des voies bitumées, ça pose problème. Je pense que le chef de l'État, cette population attendait le chef de l'État. Et même les régions où on a pensé qu'elles étaient hostiles au chef de l'État souhaitaient qu'ils viennent pour que l'échange de manière interactive permette de dire face à face. Il y a beaucoup de doléances qui sont portées. Donc ils cherchaient cette occasion. Contrairement à ce que les gens ont ventilé sur les réseaux sociaux avant le départ, avant le démarrage de la tournée du chef de l'État, on a constaté sur le terrain que ces populations-là, bien que mécontentes au départ, attendaient le chef de l'État pour que de manière interactive, elles puissent dire en face au chef de l'État ce qu'elles pensaient. Alors oui, Emmanuel Mboussou. Je pense que cette sortie du chef de l'État vient une fois encore montrer que Patrice Talon est le président de tous les Béninois. Parce que justement, il y a des pays, par exemple en Afrique, où le chef de l'État, parce qu'il est tellement dénoncé dans certaines villes, il n'ose pas mettre pied. Aujourd'hui, Patrice Talon a montré que oui, bien que décrié dans certaines régions du Bénin par certaines populations qui ne sont pas forcément contentes de ce qu'il est en train de faire, il descend quand même pour les écouter, pour échanger avec ces populations-là. Et donc, ce que moi, je voudrais espérer, c'est vrai que c'est le gouvernement, il met un peu en pôle position la communication digitale, c'est sur les réseaux sociaux qu'on arrive à constater beaucoup de choses. Est-ce qu'il est prévu un service de relais pour que les populations qui ne sont pas forcément à l'école, qui ne vont pas à l'école, qui ne comprennent pas la langue de Molière, puissent quand même écouter et donc le message du chef de l'État traduit dans leurs différentes langues? Parce que justement, oui, Patrice Talon, quand il va là-bas, il écoute le maire de la localité qui fait le point de ce qu'il y a comme réalisation, ce qu'il n'a pas comme réalisation, et lui, il adresse ses propos. On s'en arrête là. Est-ce qu'on a sollicité les services de certaines de la localité justement pour montrer que oui, une chose de passer le message, l'autre, c'est de faire en sorte que ce message atteigne vraiment la population de cette localité-là. Le discours du chef de l'État d'une région à l'autre, ça a changé. Insatisfaction dans certaines communes parce que justement, on n'a pas eu le mandat. Le discours qui est adapté aux réalités de chaque commune. Je pense que le fait que le chef d'État de passer par Savé, Tchaourou, Parakou, de passer par Banikwara, ça le permet de rallier ce matin sans doute Kérou, qui constitue également un bastion cotonnier. Donc, Djougou, il continue, je crois, ce matin sur Djougou, bien sûr, Nati et consorts. Donc, je pense que c'est une manière, je pense que la courbe est bien tracée pour qu'il redescende peut-être par Banté. On voudrait compter sur un certain Laourou, Grégoire, pour qu'il puisse descendre dans ces différentes localités-là et voir parler à sa population. Oui, André. Je vois que la tournée n'est pas conduite par des politiques des terroirs traversés. On a constaté la présence dans chaque localité. Des acteurs politiques. Compter sur Grégoire Laourou pour amener le chef de dans les différentes localités. Je pense que c'est pas ça, ne passe pas comme ça. Il me semble que c'est les maires, les préfets qui sont au devant. Que pensez-vous du discours du chef de l'État sur l'argent qui ne circule pas? Il est revenu là-dessus. Oui, avant ça, je voudrais très rapidement ajouter ceci. Il tient à chaque population un discours
qui concerne les réalités de la population. Oui, autant on peut saluer la démarche de Patrice Talon en faveur donc d'une réconciliation et de la paix avec son aîné Boniyahi dans les pays Nago, notamment Tchaourou et Savin, mais à Materi, c'est moins important pour eux que des problèmes, par exemple, de développement, d'épanouissement de la jeunesse, et ainsi de suite. Et vous allez voir, il y a des communes qui ont été très futées, qui ont anticipé sur la communication. J'ai vu des visuels fabriqués pour au nom de la commune de Djougou, c'est-à-dire quoi, où on remercie le chef de l'État pour ce qu'il a réalisé déjà dans la ville de Djougou, le marché, le stade, et on lui annonce, bah, écoutez, voilà ce qui manque, les jeunes veulent aussi, et c'est tellement bien fait et malin de la part de ceux qui l'ont entrepris, cela. Mais alors, du coup, quand il va venir, il va écouter les discours officiels, mais ça, avant de venir, il a déjà pris connaissance de ces éléments-là. Et c'est en fonction de ça qu'il va leur répondre, qu'il va leur parler. Quant au discours, et pour répondre à votre question, oui, il est en train de faire une reddition de compte, on l'a dit. Et dans la reddition de compte, c'est-à-dire quoi? Comment il a géré le pouvoir? Le mot dans les 5 ans, un mandat de 5 ans, voici comment je l'ai géré. Si en fait, vous avez dû souffrir sur ce plan, notamment la question donc de la circulation de l'argent, c'est parce que, et il a expliqué, il a affirmé que oui, c'était de l'argent volé. Et l'argent, pour ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est que les acteurs qu'il a cités étaient assis devant lui, le maire, là, le député, le ministre, et dit bon, l'argent que le maire venait distribuer ici, etc., c'était pas son salaire. C'est de l'argent volé. Bon, il donne son point de vue libre à la population, son auditoire, de dire ce qu'il pense de ce discours-là. Toujours est-il que Patrice a toujours montré que il a été direct avec nous. Il nous a toujours dit ce qu'il voulait faire. Parfois, nous avons manqué de l'écouter, au point d'être surpris plus tard lorsqu'on le voit en train de mettre en œuvre ce qu'il a pourtant promis. On est à quelques encablures d'une élection. Il paraît qu'il va être candidat. Est-ce que c'est la même méthode qu'il va utiliser pour avoir un second mandat? Je ne sais pas. On va voir. Patrice Talon, dans la séduction, quand il parle de l'inclusivité des prochaines élections. Je crois que le sujet, il est pertinent, il est sérieux. Je ne sais pas si le cadre ou le contexte s'y prête à propos. Mais de toute façon, j'estime que c'est vraiment sérieux parce qu'il s'agit des élections. Il s'agit des éléments qui concourent à l'assainissement du cadre électoral, bien entendu. Est-ce qu'à l'occasion d'une tournée de reddition, nous qu'on en parle? Bon, peut-être que oui, mais je veux simplement espérer que les actes suivent les propos qui ont été tenus par le chef de l'État, parce que partout les passés, par exemple à Parako, par exemple à Kalalé, puis à Kandi, il a rappelé encore aux populations qu'il ne s'agira pas cette fois-ci d'aller aux élections sans les ouvrir, pour dire les choses comme ça. Il faut que les élections soient inclusives. Et pour qu'elles soient inclusives, ces élections, il faut régler un certain nombre de considérations, parmi lesquelles la question du parrainage. Il en a parlé quand il était à Kandi, parmi lesquelles la question du récépissé. Il a martelé encore à Kandi qu'il pèsera de son poids, qu'il essaiera d'échanger avec, je dirais, les services compétents en la matière. Et d'ailleurs, il instruit le ministre de l'Intérieur afin de pouvoir travailler à ce que les partis qui n'ont pas encore, en dehors même des démocrates, s'il y a encore des partis qui ont envie de remplir les formalités pour avoir le récépissé, que ces partis s'y conforment et que lui pèsera de son poids afin que les élections prochaines soient une occasion de fête. Parce qu'il ne voudrait pas, il n'aurait pas souhaité qu'on ait encore à déplorer des situations conflictuelles du fait de la tenue des élections. Et la question de l'argent, elle n'est pas nouvelle. Patrice Talon en a parlé à plusieurs reprises. Il a encore rappelé ça cette fois-ci. Mais ce qui est intéressant, et ça j'insiste là-dessus, c'est que les discours ont été adaptés à chaque commune. C'est-à-dire que ce qui a été dit à Tchaourou, ce n'est pas ça qui a été dit, par exemple, à Kandi. J'ai eu la chance d'avoir les échos de la tournée du chef d'État, de sa présence à Kandi, parce qu'il est arrivé à Kandi autour de 19h. Il est resté jusqu'après 21h. Ça veut dire qu'il avait véritablement envie d'entendre les populations. Et la particularité de sa descente à Kandi, c'est qu'au-delà des discours format bien écrit qu'on vient délivrer au chef d'État, il y a eu le président de l'association de développement de la commune de Kandi, qui dans une certaine dynamique un peu amusante a fait état de ce qui est bien, qui n'a pas envie de livrer ce qu'on lui a donné à livrer au chef de l'État, qui veut lui parler dans un discours, dans un langage un peu franc. Il dit au chef de l'État, je ne vous lirai pas ce qu'on m'a écrit, mais je vous dirai de fond du cœur ce que nous vivons à Kandi. Il pense que, eh bien, il va falloir que chez l'État puisse rencontrer la situation de développement de Kandi, parce que, bien évidemment, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites en présence de tout le monde. Oui. Ça, je crois que ça fait trop sage. Il est allé plus loin pour dire au chef de l'État que, eh bien, Kandi semble avoir été oublié. Parce que, eh bien, dans les propos du chef de l'État, comme d'habitude, eh bien, il a fait remarquer que Kandi est sa ville du cœur. Et qui ne se sent pas à Kandi comme chez lui, mais qu'il est à Kandi en étant, bien entendu, le fils de Kandi, bien évidemment. Et donc, quand vous l'avez entendu, il a fait état de ce que, eh bien, le format de sa tournée est un format différent. Qu'il reviendra, pas seulement à Kandi, certainement,
dans plusieurs autres localités, dans un format plus approprié. Parce qu'il estime qu'il est dans un contexte de reddition de compte et donc il ne pense pas qu'il y ait des choses qu'il puisse dire, qu'il puisse déballer, bien entendu. Et comme l'a dit André certainement, il a pris langue avec les populations en leur faisant constater qu'il est allé la tête dans le guidon et que 5 ans, c'est allé très vite. Il a été surpris par la fin donc des 5 années de gestion. Et donc, il prend l'engagement que même après lui, qu'il soit lui qui soit élu ou pas, à la prochaine, aux prochaines présidentielles, qu'il fallait telle sorte que Kandi, comme il a déjà commencé, puisse être, je dirais, impacté à travers, je dirais, les relations du pouvoir central. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait remarquer que la seconde phase d'asphaltage, Kandi, sera prise. Une manière pour lui signer des contrats avec les différentes communes. Exactement. Il a fait un peu partout. Kalalé n'est pas la seule localité où on y va par terre rouge. Il a fait l'expérience de Banikwara. Il a fait l'expérience de Kwandé, il a fait l'expérience de Kérou. Et c'est pour ça qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, ce qui m'a, moi, fortement impressionné, c'est qu'il a fait l'option de faire cette tournée à véhicule pour vivre les réalités des populations. Si réellement, il n'a pas été, je dirais, revu, ou j'allais dire, raccommodé la route entre Kérou, Kwandé, Wassapinkwe, jusqu'à l'embranchement de Natitengu, j'avoue qu'au détour de après cette tournée, le chef d'État éreinté sera-t-il, il fera diligence pour que la voie soit réalisée. C'est tous ces deux cafés c'est pas fameux. Les propos du chef de l'État, toujours concernant l'argent, je pense que c'est une réalité qu'on connaissait depuis, parce que, comme je l'ai dit, le chef de l'État avait ce devoir-là, l'impérieux devoir, à la limite, n'est-ce pas, d'expliquer aux populations ce qu'elles mijotent en leur sein, sans trop comprendre ce que une partie de la population qui ne partage pas, bien entendu, la vision du chef de l'État, l'opinion du chef de l'État, et qui tiennent des discours plutôt belliqueux et embrouillent en quelque sorte les populations. Il fallait que le message vienne du chef de l'État pour qu'il puisse comprendre. Est-ce que c'est ce qui a manqué? À un moment donné, ça manquait. On avait commencé par le dire le jour où on annonçait donc le voyage ou la tournée du chef de l'État pour dire que les populations avaient besoin de ce contact-là avec le chef de l'État. C'est-à-dire, plutôt que de le voir sur les écrans chaque fois, on a besoin qu'il vienne et que de façon face à face, on puisse échanger sur un certain nombre de choses. Moi, je voudrais qu'on puisse lire à travers les propos du chef de l'État certains détails sur lesquels on n'est pas arrivé. Je crois qu'à une des destinations, le chef de l'État, parlant bien entendu de l'argent qui ne circule pas et qui estime que l'argent qui circulait, c'était de l'argent empoché de manière irrégulière, pas beaucoup de cadres, alors que c'était l'argent du contribuable. Le chef de l'État a démontré combien, lorsque vous achetez ne serait-ce qu'une chemise au niveau de la friperie, que vous payez des impôts, vous payez des taxes. Vous voyez, c'est dire que tout le monde contribue. Néanmoins, celui qui... C'est une minorité qualifiée d'élite qui jouit de tout cela pendant que les pauvres citoyens et pauvres populations circulent sans cela. Maintenant, il y a un autre détail toujours dans les mêmes propos où le chef de l'État dit qu'il fallait appuyer sur stop, il fallait mettre fin à ce style-là, à cette manière de faire, et que ce n'est pas le travail d'un seul mandat. N'est-ce pas? Vous voyez, il faut comprendre, pour ceux qui sont bons en commentaires composés, il faut comprendre qu'il faut plusieurs mandats conformément, bien entendu, au test en vigueur. Il faut d'autres mandats. Donc, comprenez un petit message à ce niveau. Donc, ce n'est pas un travail d'aujourd'hui, ce n'est pas un travail de deux mandats seulement. Ça veut dire que même après lui, et c'est là j'embauche la trompette qui dit que même après lui, il va falloir que le même combat d'assainissement des finances publiques et autres puisse se poursuivre. Alors, les Béninois font davantage d'efforts, ce qui se constate dans la transformation du pays. Le chef de l'État l'a également rappelé, une sorte d'hommage à l'ensemble des Béninois qui ont serré la ceinture depuis bien longtemps. Oui, naturellement, qu'il y ait asphaltage à Cotonou, qu'il y ait asphaltage à Calavi et même dans plusieurs autres villes du Bénin, je pense que c'est l'effort collectif, ceux qui paient les impôts, ceux qui ont difficilement accès à leur maison également et qui, après asphaltage ou après l'infrastructure, commencent pas à jouir de ces biens-là. Je pense que c'est des efforts collectifs qu'il faut saluer. Le chef de l'État a bien fait de rappeler aux populations, même il y en a qui pensent que, bon, justement, quand des gens volent, quand des élites volent,
donne l'argent du contribuable, que ce n'est pas eux. Alors qu'en réalité, c'est la sueur de leur front, c'est des impôts qu'ils payent, c'est tout. Je pense que c'est bien que le chef de l'État ait salué les efforts de tous les Béninois. Maintenant, sur la question de l'argent volé, là, vous ne m'avez pas permis d'intervenir sur la question. Allez-y. Oui, l'argent volé, parce que justement, le chef de l'État, je pense que la feuille du discours aurait été, par exemple, qu'ils disent que sous son mandat, parce qu'il refuse que l'argent volé circule, il a entamé une lutte farouche contre la corruption. Parce que justement, les populations qui prennent de l'argent ne sont pas forcément conscientes du fait que le préfet, le maire, en fait, le politique qui leur donne de l'argent, que c'est de l'argent qu'il a volé. Pour eux, c'est juste que j'ai des soucis, le gars me donne beaucoup d'argent, il m'aide et tout. Et donc, je pense qu'il faut vraiment travailler dans ce sens, travailler à conscientiser plus encore la population sur le fait que l'argent volé, voilà, c'est très compliqué. Il y a un élément que je voudrais faire ressortir à travers la tournée du chef d'État, du moins pour les communes déjà parcourues. Vous remarquerez que la commune de Bimbeleke, dirigée par les forces groupées bien émergentes, je serai obligé encore de revenir sur la commune de Kandi, dirigée aussi par les forces groupées bien émergentes, n'ont ménagé aucun effort. C'est-à-dire que pour des questions d'intérêt national, pour des questions de développement, eh bien, on laisse tomber sa coloration politique. Absolument. Les populations ont. Là, vous avez vu l'accueil. J'ai vu l'accueil. Les populations ont élu, les élus, accepté la tautologie à Bimbeleke. À Kandi, pas pour leur dire rester hostile, je dirais, aux questions de développement de la commune. C'est-à-dire que pour toute action concourant donc à donner de la lumière et à donner de l'allant à ces différentes communes, il faut forcément se mettre ensemble. Et j'ai vu donc les différentes forces, par exemple, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Bien, y était, bien qu'étant une force de la mouvance présidentielle. Mais ensemble, ils ont travaillé, je dirais, à l'accueil du chef de l'État dans la commune de Bimbeleke. Quand vous allez dans la commune de Kandi, le ministre Alassane Seydou, le président de la HAC, Rémi Moretti, le directeur général du matériel de la logistique, Rabia Amadou Djibril, et un certain nombre se sont mis ensemble aux côtés d'un conseil communal dirigé par les forces groupées bien émergentes pour recevoir les chefs d'État. C'est fondamental à faire sonner. Pour du coup, pour des questions d'intérêt, il faut tomber les clivages politiques. Est-ce que le maire devrait-il s'abstenir de recevoir le chef de l'État? Je pense qu'il n'aurait pas pu le faire. Un dernier tour de table sur le sujet, cette tournée. Ça a changé quoi? Ça change beaucoup de choses, mais permettez-moi rapidement avant de dire ce que ça change. Patrice n'a jamais manqué de souligner le sacrifice que fait le peuple. Depuis qu'il nous a demandé à Parakou en son temps qu'il faut serrer les ceintures, dans les discours officiels, discours sur l'état de la nation, il souligne toujours que tout ce qu'on est en train d'accomplir, c'est grâce à l'effort commun, l'effort de chacun des Béninois. Et à cette occasion, à l'occasion de cette tournée-là, il le réitère, il le rappelle, c'est important à souligner. Aujourd'hui, le Bénin, l'effort national a connu un accroissement considérable de la réalisation des différents projets. On a fait un débat la semaine dernière sur le PIP 2021. On a pu noter que le Bénin va donner personnellement, enfin, effort commun, plus de 60% de ce financement-là, ainsi de suite. C'est important à souligner. Ça permet aujourd'hui de réaliser certain nombre de choses. Et il faut souligner aussi l'humilité qui consiste à dire de sa part. Ce n'est pas forcément moi. C'est parce qu'on a compris qu'on peut faire cet effort-là. Et donc, c'est nous tous qui le faisons. S'il y a asphaltage ici ou là-bas, c'est grâce à nous tous, l'ensemble de la communauté nationale. Il faut souhaiter que l'effort, cette dynamique-là, soit maintenu à d'autres localités du pays. Qu'est-ce que ça me change? Ça change qu'on a vu le chef d'État qui est sorti donc des salles du palais de la présidence et qui est allé sur le terrain. Ça fait partie des éléments qui ont été, donc, n'est-ce pas, reprochés à Patrice Talon, qui s'est mis plutôt dans une mode Mathieu Kérékou, cloîtré au palais, qui ne sort jamais, et qui est sorti une ou deux fois par à coup, et puis quelques fois, il me semble, dans le centre, je ne me rappelle plus. Alors, il est sorti, la population le voit, opposant ou partisan, tout le monde est content quand on le voit passer. Et même les localités traversées par le côté présidentiel, ils sont contents de saluer le président de loin. C'est bon,
Le pays est en mouvement, en tout cas l'actualité est nourrie par cette tournée-là, et il a le don de nous faire, de nous fournir des sujets de débat. C'est un ami qui dit, oh, on allait manger, il dit, mais okay, quel agent a acheté ça? C'est le salaire ou bien c'est quel? C'est une allusion à ce discours du chef de l'État qui consiste à dire, l'argent qui est distribué, l'argent qui ne circule pas, ce n'est pas de l'argent sain, ce n'est pas le salaire, c'est de l'argent volé. Mmh. Bon, notre plan n'a pas été payé par l'argent volé de toute façon. Beaucoup de choses vont changer, hein, n'est-ce pas, pour un chef de l'État qui a décidé dans les régions du Nord, hein, entreprendre un voyage par voie terrestre. Il vit lui-même les réalités. Ça va donc au-delà des comptes rendus faits sur papier par les maires, les préfets des départements qui peut-être craignent leur poste. Parce que vous savez, par le passé, et dans une certaine mesure, dans les pratiques, on constate que lorsque vous êtes un maire, un directeur général, un préfet, et que vous vous plaignez trop, très vite vous êtes sauté, ce qui amenait les autorités par le passé à colorer leur discours, à colorer leur compte rendu, parce que vous êtes une commune qui chaque fois vous devez dire que la route a fait ci, ceci a fait ça, on trouve que vous êtes trop plaintif, on vous dégomme et puis on amène une autre personne. Je pense qu'avec ce régime, on est encore en train de sauter ce qu'on vivait par le passé, qui rentrait dans les habitudes, qui devenait même une mauvaise. C'est ce qu'on est en train de corriger, c'est l'humilité. On n'a pas eu un chef de l'État qui allait pour vous dire, si vous voulez, asphaltage, niaoué. On a fini avec un chef d'État qui dit, si vous voulez, le soleil, les lampadaires solaires, niaoué. Vous voyez, donc, c'est dire que c'est tout le monde qui contribue. Ce n'est pas le niaoué, ce n'est pas le chef de l'État, Patrice Talon, pris individuellement. Vous voyez, donc, ce n'est pas un don. C'est l'effort collectif. Et je pense que quand vous allez, vous ouvrez les bras à tout le monde comme ça, on se sent concerné. Et je pense que cela va travailler sur le mental des populations de manière à ce qu'elles savent que désormais, même quand on fait un petit effort, ça va très loin. Parce qu'on a tendance à croire que c'est ceux qui portent veste et cravate, qui travaillent dans l'administration, c'est eux seuls qui apportent une contribution à l'administration. Cette sortie du chef de l'État et les discours tenus par endroit permet, n'est-ce pas, de faire comprendre aux populations que eux-mêmes ils contribuent d'une manière ou d'une autre. Hakimi, vous d'abord, Erwan. Non, ce que sachant, c'est, il l'a dit, Yabarab, c'est que le chef de l'État vit au quotidien ce qui se passe sur une route. J'espère ou pas, non, pas que j'espère. Et il est passé par la route Boïkondassa et il a pu constater l'état de la route à ce niveau-là. Quand vous ne regardez pas bien le volant, ce que ça constitue. Donc, oui, c'est vrai que des efforts se font à partir de Dassa pour aller du Goutou. Mais il faut changer le quotidien de Kalané. Ça veut population, effectivement, d'entendre leur chef, de savoir que Patrice Talon, il n'est pas cloîtré dans le bureau du palais pour faire le chef. Il descend sur le terrain. Maintenant, l'inquiétude par rapport à l'association de développement de Kandi. Je ne sais pas si Patrice Talon a le temps, vu que nous sommes en quelques 7 mois de la présidentielle, de retourner sur le terrain. Il peut faire venir. Voilà, c'est ce qu'il a proposé. J'ai proposé qu'il demande peut-être à une délégation de constituer, d'aller le voir à la présidente pour pouvoir lui faire le point. Parce que si le président de l'association a cru devoir lui faire un discours honnête, un discours franc, un discours de cœur, c'est qu'il y a des choses qu'il voudrait lui dire directement. Et donc, il faut qu'il écoute pour sa population. Akimé. Et c'est pour ça que je ne suis pas le porte-parole de la population, que le il aurait fallu peut-être deux fois déjà que cet exercice ait été réalisé. Nous sommes pratiquement à quelques encablures de la fin du mandat partisan. Si ça avait été fait déjà une fois ou deux fois, je suis sûr qu'il y a bien une réalité qui aurait été déjà peut-être prise en compte des choses. Kalalé, c'est vrai qu'il a son agenda, bien entendu. C'est vrai que même sans être sur le terrain, il a instruit les ministres. Mais pour être allé au contact des populations, pour avoir vécu les réalités de Kalalé, du Kérou, de Kwandé, de Wassapéonké, et consorts, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Mais bon, il a son agenda. Je vais bien espérer que des instructions soient véritablement données parce qu'il a fait des annonces. Bien entendu, un peu partout où il est passé, il a fait des annonces à Kalalé, il en a fait à Kandi, à Kwandi, du moins dans les deux capés. Il en fera encore, certainement aujourd'hui et demain, à Djougoué environ. Mais ça va être 54 communes. Il en reste 23. C'est pour quand? Trois communes, 54 communes pour la tournée. Il en reste 23. Oui. C'est pour quand? Non, il y a une nouvelle tournée, certainement en janvier ou en février. Est-ce que Patrice Talon, enfin, le candidat Talon qu'on a vu passer partout pendant la campagne électorale qu'il a porté au pouvoir, est-ce qu'il a, on va dire, on peut dire qu'il a une aversion pour le terrain? Je ne pense pas. Il a fait un choix.
de ne pas aller de façon intempestive sur le terrain. Vous avez entendu, vous avez dû l'entendre dire à certaines localités au cours de cette tournée, à très bientôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à très bientôt? Est-ce que ça veut dire je reviens en campagne ou bien je reviens encore avant la campagne électorale si je suis candidat, ainsi de suite. S'il faut qu'il retourne sur le terrain pour régler le problème posé par l'association de développement de Karim, ma foi, il devra y aller. Et ça dépendra du problème dont il s'agit. Peut-être que l'association n'a pas envie qu'en parlant chef de l'État, qu'il y ait des oreilles en distress. Monsieur le commissaire Touré n'a pas pu le dire directement. Donc, là, dans quel cas il serait se déplacer pour aller au palais pour poser le problème. Je propose qu'on ramène le sujet sur la stratégie demain, pour l'aborder, puisque c'est un peu vaste, ce sujet. Lorsque vous circulez sur les voies, vous un peu ce que roulent nos compatriotes, quelles sont les dispositions à prendre à ce niveau, surtout au niveau de certains petits carrefours. On va en parler demain. Félix Iroko, le baobab qui est tombé, Herman. Oui, un journal célèbre qui a titré que le Bénin a perdu son Iroko. C'est vrai que le Bénin a perdu son Iroko, professeur Félix Iroko, mais justement, dans quel contexte est-il décédé? La presse du jour ce matin nous dit que c'est un bus de Tokwa qui a créé un accident. Ça voudrait poser un problème très sérieux, le problème de ce que ces bus créent sur nos voies. On est à la barre des policiers qui sont là, et qui, le gars il est devant vous, subitement vous le voyez, il parque parce qu'il trouve un client devant lui, il doit chercher le client. Je pense qu'il faut rendre hommage à Félix Iroko, historien de son état, mais je ne pense pas qu'avec lui l'histoire du Bénin soit éteinte. C'est juste parce qu'il a laissé assez d'ouvrages, assez d'écrits, assez de travaux de recherche. Je pense qu'il a sans doute formé des filleuls, d'autres docteurs, d'autres jeunes qui vont prendre le relais. Alors, pour vous, sur le CT, on aurait dû mettre un point d'interrogation à la fin. Oui, un point d'interrogation parce que l'histoire du Bénin n'est pas éteinte et on va profiter pour prêter les condoléances à la reine Cléopâtre, madame Melvina Bello Iroko. Je pense que tout le Bénin, sans doute, pleure le départ de ce monsieur. Oui, Hakimi. Bon, Herman a énoncé les conditions de son décès. Oui. Moi, je pense que la dernière fois que je l'ai vu, je crois que ça fait environ 3 mois ou 4 mois en arrière, je l'ai vu sur Zim. Sa posture sur la moto, moi, ça m'a fait un tic. J'étais un peu embêté. Je me disais, mais attention, qu'est-ce qui se passe? La question reste, je n'ai pas eu de réponse. Peut-être que si les choses se sont passées autrement, qu'on ne dira pas que c'est un bus topa, parce que c'est quand même un professeur titulaire. C'est un professeur mérite. Iroko, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, ça veut dire qu'il n'était pas dans un véhicule. C'était qu'il était encore sur moto. Comment est-ce que ça peut se passer pour que finalement, qu'on le voie ces derniers jours sur moto fréquemment, alors que le poids de l'âge étant, je crois que ça sentait aussi bien de choses. Il n'aurait pas été aussi très à l'aise sur moto. Des fois, les plus autorisés nous diront pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Mais je retiens que de tout ce qu'a été Félix Iroko, ça a été pour moi très embêtant que de le voir sur la moto et de cette manière-là. Je ne sais pas que ça puisse passer autour, mais on laisse tomber ces éléments. Ce sont des apparats, certainement, pour nous intéresser à qui c'est qui est Félix Iroko, la vie de ce monsieur. Moi, j'ai eu la chance, peut-être plusieurs ici sur le plateau, de l'avoir comme professeur. Histoire des faits sociaux pour la première promotion de l'université de Parakou. Un monsieur qu'on ne présentera plus. Je parie que si on doit passer le temps d'hommage à Iroko ce matin, on ne finira pas. Il y a des voies les plus autorisées pour le faire. Mais en tant qu'étudiant en son temps, eh bien, j'ai la chance de le connaître, de savoir qui c'est qu'il était. Et je crois que c'est le monsieur qui maîtrise l'histoire du peuple du Bénin. Ça, on peut le dire sans porter des gants. Ça, c'est une réalité. C'est un monsieur qui est dense en culture. C'est un monsieur hyper cultivé pour dire les choses comme ça. Et quand il vous arrive de l'entendre faire vous raconter l'anecdote même de sa conception, vous rappelez que eh bien, les noms qu'il porte, il ne les porte pas à dessein. Vous remarquerez que même les cicatrices qu'il a sur le visage, il ne les a pas eues comme ça. Il y a bien, c'est explicatif de quelque chose. En gros, comme l'a dit Herman, c'est une bibliothèque. Là, j'emprunte certainement les propos de Amadou Mpateba, qui dit qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. C'est vrai que cette bibliothèque, on a beau tout dire, elle se brûle, elle s'est même brûlée à travers le départ de Félix Abiola et Iroko. On ne peut que lui rendre un hommage mérité. Je sais que le monde scientifique prend la disposition qui s'impose afin qu'on puisse lui rendre un hommage digne de son. Oui, Christian, hommage à un grand homme
du Bénin à un historien émérite, à un universitaire hors pair, parce que Félix Iroko, qui, si on doit se mettre, comme disait Akimé, on doit se mettre à parler, à ressasser le parcours, la grandeur de Félix Iroko, on ne va pas quitter ici, comme le disent les Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui s'est donné 13 ans de recherche pour sa thèse de doctorat unique. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas donné à 13 ans. Vous voyez, ça fait pratiquement un retour du CI en terminale. Ça fait 13 ans si vous ne redoublez pas. Ça fait, oui, vous voyez. Donc, c'est très profond. Félix Iroko, c'est quelqu'un qui, il vous écoute à travers votre nom de famille et il est capable de vous retracer un peu comme le font les GPS actuellement. Il est capable, n'est-ce pas, de vous retracer et dire vous êtes de tel village, vous êtes... Il y en a quand vous donnez votre nom, vous dites vous êtes de Porte-Nouveau, il dit non, ce n'est pas parce que vous avez ce nom que vous êtes de Porte-Nouveau. Et finalement, vous demandez s'il est de votre famille, vous demandez s'il connaît quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a marqué, qui vous apporte des choses et autres. C'est quelqu'un qui a souvent été consulté et invité comme consultant dans bien de domaines, notamment dans l'histoire, qui est son domaine où, franchement, il a brillé par le passé, dans le présent. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut déplorer. C'est d'avoir de grands hommes au Bénin pour qu'il n'y ait pas, je dirais, un certain nombre d'accompagnement, s'ils en ont besoin. S'ils n'en ont pas besoin, c'est un autre cas. C'est-à-dire quoi? Que pour des grands hommes comme Félix Iroko, je me dis, l'état dans lequel, à un moment donné, près de 5 ans, quand tu vois le professeur Félix Iroko, il est derrière moto. On peut se demander, mais quand même, un professeur titulaire n'a-t-il pas les moyens de s'acheter une voiture? On peut dire que c'est un style qu'il a choisi. Choix, oui. Mais dans son état, quand vous le voyez derrière Zine, c'est quoi? Il est en quelque sorte mourant. On n'a pas senti soit la communauté universitaire, soit peut-être les autorités placées à des moments, à des endroits de prise de décision, n'est-ce pas, se prononcer sur sa situation. Comment un universitaire de cette trempe peut se trouver dans un état comme ça et autres. Donc, je pense que vraiment, il faut rendre hommage et présenter les condoléances les plus chaleureuses à la famille Iroko. Moi, je n'ai pas d'oraison à faire sur la mort du professeur Iroko. La mort de l'historien, moi, me laisse moins d'histoire à raconter que de questions à poser. Vous savez, le professeur Iroko, ce n'est pas un artiste en détresse. Non, pas du tout. C'est un professeur. Nous parlons d'un sachant. C'est une bibliothèque. Vous voyez? Et depuis des années, moi, la dernière fois que j'ai vu le professeur Iroko dans un véhicule, ça date de ma jeunesse, ma tendre jeunesse, et il est tout le temps, il se déplace à moto, et notamment à Zemeyan. Est-ce que vous jetez un coup d'œil sur ma tête? Pour faire plus sérieux, en fait, il me semble que c'est le mode de vie qu'il a choisi. Vous savez, nos universités aujourd'hui, on a considérablement amélioré leurs conditions de vie. En tout cas, leur traitement est meilleur à ce qui se faisait par le passé. Et il me semble que c'est un choix personnel de la part du professeur. Alors, d'où la question de savoir pourquoi un intellectuel de son rang et de sa classe choisit cette simplicité-là, cette humilité-là, de se déplacer à Zemeyan, de vivre comme un citoyen lambda, comme monsieur n'importe qui. C'est des questions, en fait, qu'on se pose sans jamais... Je ne sais pas si quelqu'un a pu avoir le courage un jour de le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi il se déplace à moto, pourquoi il est à pied, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas pu le faire. Malgré la complicité qu'on a eue à un moment donné, vous voyez, on n'a pas pu le faire. Et il faut peut-être interroger l'entourage aussi pour savoir pourquoi peut-être la famille, enfin, je ne sais pas, pourquoi personne n'a jamais réussi à convaincre le professeur de quitter cette trop grande simplicité pour peut-être permettre, en tout cas, que la société ait un autre regard sur lui, en tout cas, qui s'offre un certain nombre de privilèges liés à son rang, liés à sa classe. Bon, peut-être aussi c'est la leçon que nous devons, nous-mêmes personnellement, n'est-ce pas, copier, en tout cas, du point de vue de sa simplicité, de cette humilité-là, de professeur Félix Iroko, paix à son âme. On va souhaiter qu'il ait pu faire des émules, qu'il ait pu transmettre également ce savoir-là à d'autres Iroko à en devenir. Merci beaucoup, André Dossa, merci à vous. Wahab Ali Para, Akimé Sédou, Ousseni Herman Parfait, Agnambosou. Alors, vous êtes de retour ce soir, Akimé? Oui, exactement. On sera de retour ce soir pour
la première émission de Canal Sport. Donc, quoique l'actualité elle est bien fournie. Ne me dites pas qu'on ne dira pas un mot sur... Justement, le temps est complètement parti. C'était la même chose la semaine dernière. On le fera demain, puisque nous jouons demain le match retour. Il faut déjà saluer ce qui a été fait samedi dernier au stade Charles de Gaulle de Porte Novo. C'est vrai que Covid aidant, il n'y avait pas eu assez de mobilisation. Mais toujours est-il qu'avec ou sans le public, les écureuils du Bénin ont montré une fois encore qu'ils sont capables de bien de choses. C'est vrai que tout modestement, il faut reconnaître que beaucoup de choses ont changé au niveau de cette formation des écureuils du Bénin. Désormais classé deuxième à un seul point du leader qui est le Nigeria. On joue le mardi face aux Lesotho que nous avons battu ici, donc à Cotonou, but à zéro. Je vais encore compter sur, je dirais, la fougue de cette jeunesse-là qui aujourd'hui écume la sélection nationale. Jodel, visiblement, quand il marque, on n'égalise pas. C'est le cas face à la Sierra Leone. Il a encore marqué la dernière fois face aux Lesotho. Il n'y a pas eu d'égalisation, puisque le but est intervenu dans les 20 premières minutes. Et depuis, il n'y a pas eu d'égalisation. Donc, je vais espérer qu'il ait encore, je dirais, cette inspiration mardi prochain. Si ce n'est pas lui, que les autres jeunes soient inspirés afin que nous rentrions dans du Lesotho avec trois autres points. Ça va être important pour la suite de la qualification en ce qui concerne la CAN Cameroun 2022. Oui, le Bénin proche de la qualification, Erwan. Oui, le Bénin est sans doute proche de la qualification. C'est vrai que je l'ai dessous, quand il marque, on n'égalise pas. C'est bien, c'est souhaité que la jeunesse béninoise continue comme ça et qu'on puisse ramener une autre victoire du Lesotho. Parce que ce n'est pas facile quand on va dans un pays de pouvoir voir son pays. Ils sont partis ensemble. Donc on attend de l'autre victoire. Ils ont pris le même vol. Voilà, affrété par la République du Bénin. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, le match, on sait qu'on a gagné 1-0 et qu'il faudra mieux jouer là-bas pour ne pas se faire surprendre. Mais M. Kak posait pas le Bénin à l'endroit de la délégation de Lesotho qui, moi, vraiment m'a rendu fier. Ça nous a grandi. J'ai lu ce communiqué des autorités de ce pays pour nous remercier. C'est-à-dire quoi, les joueurs de la délégation de Lesotho n'avaient même pas prévu les conditions de son retour. Ils ont été, ma foi, surpris de constater que le vol commercial qui doit les amener arriverait dans leur pays le mardi, jour du match. Donc le Bénin leur a offert de partir avec sa délégation, parce que le Bénin avait déjà affrété un vol pour sa délégation. On a amputé notre délégation d'un certain nombre de membres pour faire de la place à la délégation. Ça a surpris beaucoup de responsables au plan mondial du football. Ce n'est pratiquement jamais arrivé. Quand on est en compétition, on combat, on n'aide pas son adversaire, on ne lui offre pas l'arme pour vous abattre. Même le Nigeria, malgré la fraternité qui existe entre nous, vous avez vivre là-bas au match aller. Ouais, donc, vraiment, c'est grand de la part du Bénin d'avoir aidé cette délégation. La récompense, ça sera pour demain, on aura trois buts à marquer. Chance de se qualifier. Si, pour nous remercier, si, pour vous laisser. C'est pas gagné d'avance. Mais les écureuils ne sont plus petits. Hein. Il faut regarder leur parcours, l'expérience depuis quelques années déjà. Je suis sûr qu'on sera applaudi très, très, très bientôt. Le match de la dernière fois s'est soldé par un but à zéro. C'est déjà un grand effort hein, d'encaisser, dois-je dire, un but à domicile, un but, sinon trois points pour marquer un but. Non, j'allais plutôt dire d'engranger trois points à domicile. Donc, ce n'est pas petit. On va espérer que un dessous, Jadel dessous, tel qu'il a ce secret dans les pieds, on n'arrive pas à égaliser. Il sera fait la magie de tout le temps. Merci beaucoup, merci à vous. Rendez-vous donc demain sur Actu Matin pour d'autres sujets à aborder. Docteur Patrick Henou, sociologue politiste, on va analyser très rapidement la tournée du chef de l'État avec lui. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
L'imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Invité du forum ce lundi matin, Dr Patrick Henou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes sociologue, politiste, expert en gouvernance démocratique. Merci de répondre présent à notre invitation. Je vous reçois en compagnie de Wahab Ali Para. Alors, le sujet de ce qui nous réunit ce matin, c'est bien sûr la tournée présidentielle de Patrice Talon, le chef de l'État qui actuellement est à l'intérieur du pays. Il va parcourir plus d'une cinquantaine de pays. Du point de vue, pas de pays, mais de communes. Du point de vue sociologique, quelle interprétation faites-vous de cette tournée, de ce contact avec les populations? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je remercie ici et salue par la même occasion les téléspectateurs. Je voudrais d'entrée de jeu dire que nous sommes dans un mandat et finissant, et il faut comprendre que il y a ce qu'on appelle en sociologie politique la légitimité, et la légitimité s'octroie par deux voies. La première, c'est par l'élection, donc le chef de l'État est élu et donc a un mandat de 5 ans, et deuxièmement il y a la légitimité par l'action publique. La légitimité par l'action publique suppose que des élus, que ce soit au plan national ou local, par des actions, doivent savoir par ricochet ce qui est l'écho que les actions ont au niveau donc des citoyens lambda. Et donc la démarche du chef de l'État veut nous amener à encore une fois vérifier les schèmes de cette légitimité par l'action publique. Et ça m'amène à faire une analyse en identifiant trois raisons fondamentales qui pourraient justifier aujourd'hui et cette démarche du chef de l'État. La première raison, c'est celle qui reste conforme à ce que nous savons, à ce qui est officiel, à savoir que le chef de l'État s'inscrit dans une dynamique de reddition de comptes et va au contact des citoyens dans toutes les régions et partager ses actions, le niveau d'avancement de ses actions avec ses populations, avec ses citoyens, et donc faire le bilan en quelque sorte et dire ce qui reste à faire à l'avenir. Et donc, on peut situer cette démarche-là dans le cadre de ce que j'ai appelé la première raison. La deuxième raison, qui a deux variantes, c'est que cette deuxième raison, elle est électorale, si vous voyez. Et dans sa première dimension, qui veut que le chef de l'État aille au contact des citoyens pour peaufiner son processus de prise de décision. Et n'oubliez pas que nous sommes à la veille des consultations électorales. Et il va de soi que le chef de l'État sorte du carcan de ce qu'on lui présente officiellement, des comptes rendus ici et là, et se faire une bonne opinion de savoir si lui-même va se décider finalement à aller aux consultations électorales. La troisième raison que je pourrais évoquer très rapidement en m'inscrivant toujours dans cette analyse sociologique,
et c'est que la décision d'aller aux élections est déjà prise. Et le chef de l'État veut graver, en tout cas, ses actions dans le cœur des citoyens et les préparer naturellement à l'accueillir une nouvelle fois à l'occasion de ce qu'on pourrait appeler la campagne électorale. Alors, très rapidement, oui, allez-y. En ce qui concerne l'action publique, cette sortie du chef de l'État, est-ce que vous avez senti qu'il a réussi? Comment vous avez évalué cela sur le terrain, en tout cas pour les régions qu'il a déjà parcourues? Il faut dire que je ne vais pas me lancer dans une approche normative pour dire si le chef de l'État a réussi ou non, mais je voudrais quand même partager avec les téléspectateurs et vous-même que le chef de l'État a présenté, n'est-ce pas, le bilan de ses actions aux citoyens, et des actions assez pertinentes ont été quand même posées, effectuées. Donc, à partir de là, si vous prenez les différents secteurs et qui rendent compte de ce qu'on pourrait appeler les politiques publiques, parce que les politiques publiques découlent naturellement de ce qu'on pourrait appeler par ricochet, n'est-ce pas, le programme sur la base duquel le chef de l'État a été élu, et qui s'est finalement décliné en politique publique. Et justement, l'action publique, cette fois-ci, reste ce qu'on nommerait, n'est-ce pas, la mise en œuvre de cette politique publique dans différents secteurs, l'éducation, la santé, tout ce que vous voulez, et qui pourrait... l'énergie. Est-ce que vous voyez très bien que le chef de l'État a insisté sur ce qui constitue des points névralgiques de sa réussite et qu'il souhaite partager avec les citoyens, et quel que soit le niveau où il se trouve, quelle que soit la région où il se trouve? Alors finalement, quel est, je dirais, le gain pour les populations de voir, par exemple, dans leur localité, leur chef d'État? Le gain... est à apprécier à plus d'un titre. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de la légitimité par l'action publique. Et la légitimité suppose un dialogue avec les citoyens. Et donc, on peut passer en perte et profit la logique du temps, parce que on peut se poser maintenant la question de savoir pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant, justement? Est-ce vrai? Et donc, si on passe cette rubrique, le contact avec les citoyens est un passage obligé de tout élu qui se doit, n'est-ce pas, d'être au contact avec des citoyens électeurs, pour reprendre l'expression de Dompnier, vous voyez. Et donc, ce dialogue constant mérite d'être fait. Deuxièmement, le gain pour dire que à l'entame donc de son mandat, il a pris des engagements, il a fait des réformes, il a demandé qu'on serre la ceinture, il a senti à l'entame de son mandat que, ou à un moment donné de son mandat, et que les citoyens ont souffert le matin, et que les actions qu'il a entreprises entre-temps ont commencé à donner de leurs fruits, et que ces fruits méritent d'être partagés avec les citoyens et d'être connus des citoyens. Et c'est justement cette démarche qui l'anime et qui veut qu'il y ait un dialogue avec les citoyens, pour que ces citoyens perçoivent le bien fondé de ces actions et espèrent davantage. Espèrent davantage parce que lui-même a dit que le seul mandat ne suffit pas. 5 ans, c'est vite passé. Et donc, il va falloir qu'on lui donne, peut-être qu'on donne, qu'on se mette quand même dans la logique que un mandat ne suffit pas et qu'il va falloir peut-être un autre pour que les actions commencées puissent s'achever pour le bonheur des citoyens. Alors, docteur Patrick Henault, est-ce que vous avez senti dans la gestion du pouvoir d'État par le chef de l'État qu'il l'a transformé en quelque sorte en un pouvoir traditionnel, du fait que le chef de l'État sort très peu, il est quelque peu sédentaire? Or, dans le pouvoir traditionnel, on dit souvent, un peu comme dans la région fond, n'est-ce pas, lorsque vous abordez la notion de pouvoir traditionnel, j'avais compris qu'il va falloir théoriser à nouveau la logique weberienne du pouvoir. C'est-à-dire... et qui veut qu'on ait trois dimensions, le pouvoir
et traditionnel, le pouvoir charismatique et le pouvoir légal rationnel. Et nous sommes dans le pouvoir légal rationnel, mais à considérer que les trois formes de pouvoir s'interprénètrent. On ne peut pas avoir une position tranchée, on ne peut pas ériger un mur étanche entre ces différents pôles. Cela dit, lui-même, il est resté conforme à sa logique, parce qu'il a dit que le chef de l'État, une fois élu, ne peut pas s'inscrire dans une campagne intempestive qui pourrait l'amener à être au contact à chaque fois des citoyens. Et donc, qu'il faut qu'il s'occupe, qu'il travaille, qu'il s'occupe de l'essentiel pour lequel il a été installé. Il est resté d'abord dans cette logique. Et bon, on pourrait quand même lui faire la critique que presque à la fin du mandat, hein, cette sortie qui intervient presque à la fin du mandat aurait pu intervenir plus tôt. Mais dans tous les cas de figure, il faut dire qu'il est resté conforme à sa logique qui veut que le locataire de la Marina reste au niveau donc de comment je vais dire, de la Marina pour s'occuper des affaires publiques, d'enjeux nationaux, plutôt que de se mettre dans d'aller sur le terrain à tout moment pour finalement importuner les citoyens. Alors, est-ce que cela se conçoit cela se comprend facilement par les populations qui, par le passé, n'est-ce pas, étaient habituées à un chef d'État qui chaque fois sort et était à leur contact? C'est tout à fait normal. Une fois que vous avez été habitué à un mode de fonctionnement qui peut-être vous arrange, il est difficile de s'en passer. D'accord. Mais toujours est-il que les citoyens ont fini certainement par comprendre que ce chef d'État a une façon d'opérer, a une ligne de conduite, mais cette descente permet de réchauffer en quelque sorte les liens et de dire qu'il est au plus proche donc des couches vulnérables, et parce qu'il a quand même des actions, il a quand même des points positifs à faire valoir et qui accrochent certainement des citoyens qui auraient bien évidemment souhaité le voir le plus souvent, parce que vous n'oubliez pas, les citoyens ont pris des habitudes et auraient souhaité que le chef de l'État se déplace, mais on peut lui faire la concession qu'une fois qu'il a décidé d'opérer autrement, on peut faire l'effort quand même de le comprendre sur ce terrain-là. Alors la question de Christian était de savoir quel est le gain de cette sortie du chef de l'État pour les populations. La mienne maintenant, c'est de savoir quel est le gain de cette sortie pour le chef de l'État. C'est tout à fait normal. Vous voyez très bien que j'avais catégorisé en quelque sorte les raisons qui pourraient justifier cette sortie officielle du chef de l'État. Et le gain pour lui-même et en tant que chef d'État, ayant des velléités peut-être pouvant l'amener à rempiler à nouveau. Et donc vous comprenez par là que le chef de l'État veut préparer les citoyens à l'accepter à nouveau, pour un second mandat, les coups de franche pour un second mandat, toujours parce qu'il a laissé entendre que le seul mandat ne suffit pas. Il a commencé des actions, il n'a pas pu les achever, il lui faut un peu de temps, un peu plus de temps, et ce temps recherché n'est pas à incruster dans le mandat actuel. Ce temps recherché s'émancipe finalement du mandat actuel pour finalement s'arrimer à un autre mandat recherché pour lui permettre donc de continuer. Voilà, autre question. Non, question qui va suivre, c'est de savoir, est-ce que dans cet exercice de préparer la population peut-être à accepter le chef de l'État, comment vous avez interprété cela? Est-ce que vous sentez que les populations ont d'une manière ou d'une autre adhéré, en tout cas après les échanges pour les communes déjà parcourues à cette destination-là? Est-ce que vous sentez dans les interactivités si les populations elles-mêmes adhèrent petitement à cette logique? Ont-elles bien été préparées à accepter un second mandat? Vous savez, je n'ai pas suivi le chef de l'État dans son périple, mais les deux approches sont possibles. La première, ce que nous avons suivi sur les chaînes, c'est qu'il y a quand même une liesse populaire. Et il y a beaucoup qui étaient contents de voir le chef de l'État
il y a beaucoup de citoyens qui l'aiment malgré tout, mais dans le même temps, ce que nous ne voyons pas, et d'ailleurs, il serait dupe de penser que tout le monde est prêt à l'acclamer. Mmh. Et donc, dans ce que, au-delà de ce que nous ne voyons pas, c'est que le chef de l'État a aussi des pourfendeurs, a aussi des citoyens qui n'aimeraient pas le voir empiler à nouveau. Et donc, vous voyez très bien que, en tout cas, pour ce que nous avons vu aussi à la télé, c'est que les zones où il est allé, les populations étaient contentes de le recevoir et de se sentir quand même considéré par un chef d'État, de se sentir proche d'un chef d'État. Et donc, de ce point de vue-là, les deux perspectives restent ouvertes hein, pour le chef de l'État, à savoir qu'il y a bien évidemment des citoyens qui sont prêts à l'accompagner sur cette ambition-là, sur cette piste pouvant l'amener à avoir un second mandat. Dans le même temps, il y a d'autres, hein, et on ne leur fera pas, n'est-ce pas, le procès. Il y a d'autres et qui, pour une raison ou une autre, ont choisi de se mettre à l'écart de toute velléité pouvant l'amener à renouveler et à solliciter le renouvellement. Quelle est la tendance qui domine souvent? Oh, mais je ne suis pas un devin. Je vais me garder donc de m'avancer sur ce terrain. Et donc, voilà, très rapidement, ce que je tenais. Wakao qui voulait attaquer. Donc, toi, Patrick Renaud, merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sociologue, politiste et expert en gouvernance démocratique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons de passer un excellent lundi, une très bonne semaine de travail. Merci à vous également. Merci. Rendez-vous demain à partir de 7h. On va faire le point de l'actualité au cours de ces 7 derniers jours. C'est le 7 jours au Bénin. Juste après, on enchaînera avec votre revue de presse. C'est parti. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Qualité. Vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Thank you.
Le point de l'actualité hebdomadaire, cela 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Après le tour de quelques marchés de Cotonou, Patrice Talon séjourne dans la partie septentrionale du pays depuis quelques jours. La tournée nationale du chef de l'État dans plusieurs villes du Bénin a effectivement démarré jeudi dernier. Tchaourou et Savé sont les premières étapes de cette tournée. Le président Patrice Talon a donc pris contact avec les populations et les autorités politico-administratives de ces localités qui ont connu par le passé les manifestations de mécontentement. Sur place, Patrice Talon a été remercié pour ses efforts en faveur de la paix et de l'unité dans ces localités. Pour le président de la République, après des moments d'incompréhension entre lui et son prédécesseur Boni Yayi, l'heure de la réconciliation a sonné. La médiation des sages et notables est donc sollicitée afin que cela soit une réalité dans les jours à venir. Après Tchaourou et Savé, le chef de l'État s'est ensuite rendu à Parakou, Niki, Ndali, Bembereke, Kalale, Kandi et Malanville pour le même exercice et la tournée se poursuit dans les autres localités de la partie septentrionale du Bénin. Et pendant ce temps, Irénée Agossa et son parti, le Nationaliste, sont désormais fondus dans le parti La Démocrate, fidèle à sa conviction du départ. Irénée Agossa s'y est engagé fermement et de plein pied en déclarant publiquement son adhésion au parti. Cette adhésion a été officialisée à la faveur d'une déclaration solennelle rendue publique mercredi dernier au siège du parti Les Démocrates à Cotonou. Et Irénée Agossa et ses militants ont été reçus par les responsables du parti au logo symbolisé par la flamme. Pour Éric Houndété, président du parti Les Démocrates, le parti Le Nationaliste rejoint Les Démocrates qui ont pour principal défi de gagner la présidentielle d'avril prochain. Et pour y arriver, selon Irénée Agossa, il faut à tout prix rompre avec la prétendue rupture actuelle. Symbole parfait de l'échec du consensus de 90, le Bénin d'abord, l'État ensuite. Et le droit enfin sera désormais leur credo. Nous avions pendant longtemps cru que notre démocratie était irréversible. Nous constatons avec peine, avec beaucoup de regret, que nous avons fait des kilomètres en arrière, nous avons fait des années en arrière, nous avons fait des décennies en arrière. Le nouveau président de la Cour d'appel de Cotonou est désormais connu. Son nom, Justin Gbenameto. Il a été officiellement installé dans sa nouvelle fonction mercredi dernier par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, en présence de ses proches. Justin Gbenameto a rendu grâce à Dieu et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour redonner confiance aux justiciables. Sous sa présidence, a-t-il promis, les dossiers doivent être vidés dans les meilleurs délais afin que les populations ne prennent plus la justice comme un bourreau, mais plutôt comme un partenaire. Sous le régime de Boni Yayi, faut-il le rappeler, Justin Gbenameto a été radié du corps des magistrats. Mais il a été réintégré dans la corporation grâce à l'avènement du régime du président Patrice Talon. Nous avons le devoir de rendre une justice de qualité et dans les meilleurs délais. Responsables à divers niveaux des centrales et confédérations syndicales étaient en formation jeudi dernier à la Bourse du Travail à Cotonou. C'est une formation voulue par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales pour faciliter aux acteurs essentiels la compréhension des tests relatifs à l'organisation des élections professionnelles au Bénin. Également au menu des échanges, le vote électronique comme mode de scrutin retenu a fait l'objet d'une très grande attention de la part de l'assistance. Pour le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, vu la nouveauté apportée aux tests pris par le gouvernement pour régir l'organisation des élections professionnelles, il est nécessaire de mieux les expliquer aux responsables syndicaux au niveau des départements. Les élections professionnelles sont prévues pour le mois de décembre prochain et chaque confédération syndicale s'affaire pour réussir cette opération. Nous avons décidé donc d'aller vers nos militants pour les éclairer sur les tests et aussi les éclairer sur donner des bribes d'informations sur le vote électronique. Ayou
Ayouba Fousséni, désormais docteur de l'Université d'Abomey-Calavi au département géographie et gestion de l'environnement dans la spécialité géographie rurale. Grade obtenu à la suite d'une soutenance de thèse jeudi dernier à l'Université d'Abomey-Calavi. Son sujet a porté sur les systèmes de culture en milieu Yom-Lopa, au nord-ouest du département de la Donga. Effets environnementaux et durabilité des activités agricoles. Travaux de recherche conduits sous la direction du professeur Moussa Yibigaï. Au terme de la soutenance, le jury présidé par le professeur Espéry Vissin a accepté le travail présenté par Ayouba Fousséni avec une mention très honorable. Comme recommandation, le jury a demandé au nouveau docteur d'élaborer un projet sur son sujet et le soumettre aux mairies de Djougou, Waké et Kopargo afin d'apporter sa contribution scientifique au développement de ces communes. Surtout aujourd'hui, il faut comprendre que compte tenu des besoins socio-économique, la plupart des agriculteurs dégradent considérablement l'environnement sans tenir compte du respect de cet environnement pour pouvoir sauvegarder la génération future. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes donné une étude pour élaborer des stratégies afin de permettre à la population Yom-Lopa de mieux saisir la gestion de l'environnement. Ainsi se résume les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bonjour à toutes et à tous. Les journaux parus ce matin restent collés à l'actualité liée à la tournée nationale initiée par le chef de l'État. Nord-Sud Quotidien nous propose un point à mi-parcours dans le septentrion et nous informe que Patrice Talon et la délégation qui l'accompagne ont déjà bouclé les départements du Borgou et de la Libourie. La presse du jour nous fait part de l'état d'âme des populations des communes sillonnées par le président de la République. Bani Kouara, Niki, Bembereke et Kalale sont satisfaites des réalisations de Patrice Talon, écrit en gros titre la publication. Plus loin, nous apprend le quotidien le matin, les populations du Nord Bénin invitent Patrice Talon à la continuité en 2021. Le journal nous fait en même temps le point des communes visitées par Patrice Talon ce week-end. En tout cas, crois savoir mes confrères, le chef de l'État et sa délégation sont depuis hier dimanche dans la Takoura et la Donga. La nation parle du contenu de ce périple et trouve que le président de la République s'adonne à l'exercice de reddition de comptes. Un exercice qui, selon le quotidien du service public, est très apprécié des populations. Et partout où il est passé, Patrice Talon a été accueilli dans une liesse indescriptible, ajoute le quotidien Libération pour lequel le chef de l'État a scellé de nouveaux pactes avec les populations du Borgou et de la Libourie. L'autre quotidien rapporte même en gros titre un extrait des propos du président de la République. Citation « Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble ». Fin de citation. Ce sont des mots forts pour des sentiments forts, commente le journal. Tout comme l'autre quotidien, le journal Soleil Levant aussi placarde à sa une un extrait des propos du chef de l'État au cours de cette tournée. Des propos relatifs surtout à l'élection présidentielle de 2021 et selon la publication, Patrice Talon promet un scrutin ouvert en avril prochain. Les élections présidentielles à venir verront la participation de tout le monde, a dit l'homme du nouveau départ à la une de Soleil Levant. Les propos sur le même sujet font le gros titre du journal Bénin Intelligent. Patrice Talon, depuis Niki, nos élections seront de nouveaux moments de fête, a lancé le chef de l'État dans des propos rapportés par Bénin Intelligent. Le quotidien Le Matinal, lui, s'intéresse à la requête faite par le chef de l'État au sage de Parakou au sujet de ses relations avec Boni Yayi. La publication se demande surtout ce que coûtera la réconciliation entre les deux hommes. Requête du chef de l'État au sage de Parakou. Talon Yayi, la réconciliation à quel prix? Peut-on lire à la 2 de 1 du quotidien Le Matinal. Toujours à propos de cette tournée du chef de l'État, les publications n'ont pas occulté le supposé accident mortel du cortège présidentiel à Malanville. Les journaux publient surtout le démenti formel de la présidence de la République. Selon le directeur de la communication du président de la République, Wilfried Léandre Nguédji,
et le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Rumla. Le cortège présidentiel n'est pas mêlé à cet événement malheureux. Toutefois, relèvent mes confrères, des émissaires du chef de l'État sont allés consoler les parents de la victime. Dans la suite, ce matin, Fraternité, Nord-Sud Quotidien et l'Économiste ont ouvert leur colonne au directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, Didier Aïbatin. Ce financier passionné est spécialiste, selon mes confrères, des financements structurés. À 49 ans, il entame avec confiance et espérance ses fonctions de directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, renseigne les publications. Et l'ambition de ce banquier des entreprises, c'est de créer une véritable banque digitale. Entretien avec Didier Aïbatin, directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Créer une banque des entreprises avec un intérêt majeur porté sur l'industrie et le commerce, affiche en manchette le journal L'Économiste. Le même journal nous parle des actions et projets du Bénin pour l'amélioration du doing business à l'horizon 2021. Toujours dans la suite ce matin, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et le quotidien Libération qui nous apprend que 63 nouveaux cas ont été détectés au Bénin. D'ailleurs, cette crise sanitaire influe négativement sur la campagne cotonnière au Bénin. Selon le quotidien Le Matinal, les ambitions concernant la production ont été revues à la baisse pour cause de Covid-19. Conséquence pour la campagne de commercialisation de l'or blanc, mon confrère affiche en manchette que l'association interprofessionnelle du coton vise désormais 675 000 tonnes. En sport, une bonne partie de la presse est revenue ce matin sur la victoire de la sélection nationale de football en éliminatoire de la CAN 2021. Score final, 1-0 face au Lesotho. Le sujet fait la 2-1 du quotidien Fraternité pour lequel le Bénin réussit une première manche de cette double confrontation. Le match décisif pour la qualification, c'est pour demain mardi au Lesotho, annonce le Canard de Ménantin. En tout cas, le quotidien Libération croit savoir que le Bénin est maître de son destin pour la qualification. En attendant ce match retour, les deux sélections ont pris le même vol juste après l'explication de Porto Novo, informe le journal Le Potentiel. Un véritable exemple de fair play, credo de la Fédération internationale de football association FIFA. Une triste nouvelle pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité. Les journaux nous apprennent que Félix Iroko n'est plus. L'historien a rendu l'âme le week-end dernier, informe les publications. Deuil dans les universités, écrit le journal Soleil Levant en bas de une. Le grand Iroko de la forêt du savoir s'est écroulé. Deuil dans le monde universitaire, ajoute le journal Bénin Intelligent. Le Bénin perd son Iroko. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain. Merci à Narcisse Alosset pour cette revue de presse. Merci à toutes les équipes de préparation, de réalisation, de présentation et de diffusion de votre matinale Actu Matin. Rendez-vous demain, mardi, à partir de 7h avec beaucoup d'autres sujets à aborder avec vous et pour vous. Merci donc. Très bonne journée du lundi. Excellente semaine de travail. Prenez soin de vous et surtout, gardez le sourire. Au revoir.